Eh bien salut tout le monde, c'est Sloki, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et plus précisément pour un nouvel urbex. Alors aujourd'hui qu'est-ce qu'on va visiter? Aujourd'hui on va aller visiter un sanatorium abandonné. Dans cette vidéo je ne suis pas tout seul, je suis en présence de Johan. Vous trouverez son Instagram en description, allez y jeter un coup d'œil, franchement les photos sont top. Donc parlons un peu plus du lieu. Alors ce sanatorium, il faut savoir qu'il est un peu compliqué d'y pénétrer parce que tout simplement il est gardienné. Donc on a trouvé une entrée un peu plus exilée pour pouvoir passer par les souterrains tout simplement et nous éviter de tourner autour du lieu et donc multiplier nos chances de nous faire attraper. Une fois qu'on a passé les souterrains, on arrive donc dans le lieu et on peut commencer à profiter de la visite, même si le lieu est vide et pas mal attaqué. En fait, vous prenez dans quelque chose qui est immense et donc vous avez une ambiance qui est particulière, je sais pas comment décrire, c'est pas glauque ou pesant, c'est juste que vous êtes dans une immensité, vous promenez dans des grandes pièces, c'est haut de plafond, on se sent à l'aise et tout. En fait, on profite de la visite, tout simplement.
Bon, comme vous en doutez, on savait que c'était gardienné et on est tombé sur la ronde d'un gardien. On l'a entendu, mais on a réussi à ne pas se faire entendre et se fait, du coup, on s'est pas fait attraper. Je vous mets quand même l'extrait de la vidéo. Une fois qu'on avait fini de visiter le sanatorium, on a décidé d'un peu plus se promener aux alentours car il y avait pas mal de bâtiments abandonnés. Donc là, je n'ai plus forcément beaucoup filmé avec la caméra normale, c'est plus à la GoPro, etc. Vous verrez. Et on fait une petite nouveauté, on a sorti la GoPro 360 qui franchement, en fait, fait des très très bons plans. On peut faire des trucs très sympathiques avec cette caméra, vous allez voir ça. Et bien voilà les amis, c'est déjà la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, que vous aurez apprécié le contenu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager et vous abonner. Si vous voulez en savoir plus sur Johan, son Instagram est dans la description, allez checker. On se retrouve très prochainement pour de nouvelles aventures, c'était Sloki, peace.